Salut l'équipe, c'est Jisané. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu des différents patchs qu'il y a eu au niveau de certaines techniques. Vous vous souvenez peut-être de cette image que je vous avais montrée à l'arrivée de la mise à jour gratuite? C'est un tableau qu'on peut retrouver sur le site officiel du jeu et qui va venir répertorier toutes les modifications qui ont été apportées, tout ce qui est patch, correction de bugs, nerfs et buffs, tout ce qui a été modifié depuis l'arrivée de la mise à jour gratuite au niveau des techniques. Et heureusement, la communauté Xenoverse est toujours bien active et une traduction anglaise a été faite et du coup j'ai pu voir certaines modifications, les modifications intéressantes qui ont été faites et j'en ai noté quelques-unes pour vous en parler aujourd'hui. Donc je vais essayer d'être concis pour que ça reste digeste pour vous parce que ça risque d'être assez long. Par contre, petit disclaimer, je ne suis pas anglais donc il se peut que je ne pige pas tout, donc je vais seulement vous rapporter ce que moi j'ai compris de tout ça. Donc il se peut que je fasse une ou deux petites erreurs de compréhension, mais je vais faire de mon mieux pour ne pas en faire, bien sûr. Donc voilà, bref, c'est parti et on commence gentiment avec le Kamehameha qui a été corrigé. Apparemment, il y avait un bug quand on utilisait l'aspect en Super Saiyan, sûrement lors de la TP. Personnellement, je ne la jouais pas de cette manière, donc j'ai pas été affecté, j'ai pas été touché par ce bug. Mais sachez que ça a été corrigé et aussi la technique touchera plus facilement qu'avant si vous l'envoyez après avoir projeté l'ennemi. Donc, une correction de bug pour le Kamehameha, c'est plutôt cool. La suivante, c'est aussi une technique spéciale Kikoa, c'est l'obus génocidaire, ou plutôt les obus génocidaires, vu qu'on va envoyer 4 Kikoa. Les 4 Kikoa exploseront si l'ennemi les touche, ou en touche un des 4, ou après une certaine durée, mais nous, on aura plus tendance à l'envoyer à bout portant pour que les 4 Kikoa touchent à coup sûr l'adversaire. Et la chose à noter sur cette technique, c'est simplement que ses dégâts ont été augmentés, elle fait donc plus de dégâts qu'avant. Après, il y a d'autres corrections qui ont été apportées sur d'autres vagues de Kikoa similaires au Kamehameha, comme le Kanangarik et d'autres. C'est sympa, mais ça reste inutile de toutes les citer. On a ensuite la lame de Souther qui a vu ses dégâts d'endurance augmenter en cas de blocage. Donc je m'explique. En gros, on enlèvera plus d'endurance à un adversaire en garde quand on utilisera la technique. Après, on a la pose Soleil Guerrier qui s'est vue boostée. Apparemment, on devrait récupérer plus de ki et d'endurance qu'avant. Je ne la jouais pas avant, donc je ne vois pas trop la diff, mais je sais qu'elle est pas mal jouée, donc c'est cool. C'est cool pour ceux qui la jouaient déjà de base et pourquoi pas la placer dans un futur build. L'aspect balle éclair du dragon a vu aussi ses dégâts augmenter. Je vais pas trop m'attarder sur ce genre de technique, donc je vais un peu accélérer et parler des techniques les plus intéressantes ou les modifications les plus intéressantes. Par exemple, le Big Bang Kamehameha. Souvent, quand on chargeait la technique en Super Saiyan, on ne touchait pas l'adversaire, il y avait un petit bug. Bah sachez que ça a été corrigé et ça c'est plutôt cool parce que pour le coup ce bug là je l'ai eu pas mal de fois et c'est plutôt cool que ce soit corrigé. On a également le rayon d'élite de Jaco qui apparemment touche plus facilement qu'avant et ça tombe bien parce que je l'ai mis sur un des prochains builds et du coup vous avez un petit indice sur un des prochains builds que je vous proposerai bientôt. D'ailleurs, la deuxième spé de Jaco aussi a été modifiée, ses dégâts ont été réduits et pour le coup je comprends pas trop pourquoi faire ça pour une technique aussi nulle. Mais bon. Sachez que la deuxième spé de Jaco, elle, a vu ses dégâts réduits. Ensuite, une autre technique a été nerf et pour le coup, elle a subi un viol total de la part des devs. C'est l'éclipse temporelle empalement de Hit, une de mes spés préférées. Elle est devenue complètement inutile, ses dégâts sont totalement inexistants et le pire dans tout ça, c'est qu'elle ne passe plus à travers la garde, donc elle peut être bloquée simplement par un adversaire en garde, et ça je trouve ça terrible, c'est incroyable. Elle est pour le coup vraiment, vraiment, vraiment devenue inutile depuis l'arrivée de cette mise à jour gratuite. Et une autre technique du même genre, que je trouve maintenant inutile, c'est la méditation. Avant, la pause durait plus d'une minute, enfin une minute tout court. Pendant une minute, on pouvait avoir la jauge à 10 barres de ki avec une légère régène de ki. Ben maintenant, elle ne dure plus que 20 secondes, c'est terrible, et en lot de consolation, le ki se régène plus vite qu'avant, mais Osef complètement de la régène de ki, le fait qu'elle ne dure plus que 20 secondes la rend totalement inutile pour ma part, en tout cas c'est ce que je pense. Donc franchement, ces deux techniques-là, l'éclipse temporelle, empalement et la méditation, c'est terrible à quel point elles ont été nerfs et comment elles sont devenues inutiles à mes yeux, je trouve. Il y a aussi le bouclier spirituel de Gogeta qui a vu ses dégâts augmenter et d'autres petites techniques spéciales, mais rien de très significatif.
Pour les techniques ultimes maintenant, le Kaioken Kamehameha x4 a reçu un petit buff. Elle fait plus de dégâts qu'avant, enfin c'est surtout la deuxième vague. Quand on va rappuyer sur la touche pendant la technique pour tout envoyer, c'est cette petite partie-là qui fera plus de dégâts qu'avant. Donc la technique fait plus de dégâts qu'avant quand on l'envoie au maximum de son potentiel. Donc c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Et c'est plutôt cool. Ensuite, on nous dit que l'esprit saiyan et l'attaque explosive toucheront plus facilement qu'avant, puis quelques ajustements du même genre pour d'autres techniques, mais rien d'impressionnant, hormis peut-être la rectification d'un bug qu'on avait avant quand on envoyait la supernova de couleur sur un adversaire au sol, et que la boule ne touchait pas, la boule disparaissait. C'est un bug qui apparemment a été corrigé. Pareil pour la boule de la mort vengeresse et l'ultime de Beerus. Après, personnellement, j'ai utilisé récemment la colère divine purification de Zamasu, je ne sais pas si c'est exactement ça le nom, et il y a toujours ce même bug. Donc bon, espérons que ce soit corrigé un jour, mais c'est plutôt cool déjà qu'il commence à corriger ce bug-là, parce que c'est vraiment chiant quand tu projettes l'adversaire au sol, t'envoies ton ulti et la boule ne touche pas, tu comprends pas trop pourquoi. C'est cool que ça commence à être corrigé, même si c'est vrai que ça fait un petit moment que ça dure. Et du coup, voilà. Voilà pour les patchs à noter, enfin ce que j'ai trouvé intéressant de relever. Globalement, ça a été surtout des corrections de bugs, donc c'est plutôt cool. Mais je dois avouer que je ne comprends pas trop pourquoi l'empalement de hit et la méditation se sont fait nerf à ce point. C'est sûrement pour une bonne raison, mais je comprends pas trop et je trouve ça un petit peu chiant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Depuis l'arrivée de la mise à jour, j'ai eu beaucoup de demandes concernant la méditation. Ben maintenant, j'en ai parlé. Vous avez mon point de vue par rapport à ça. J'ai essayé d'être concis pour que la vidéo soit digeste parce que là, on était sur 42 lignes et je ne pouvais pas prendre le temps de faire ligne par ligne, sinon la vidéo serait interminable. Là, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour que ce soit concis et digeste, comme je vous l'ai déjà dit. J'espère que ce sera le cas. Je retourne maintenant préparer des cosplays approximatifs, comme celui de Muro que vous avez vu, tout dégueulasse. Et je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.